Combien de troubadours, ménestrels et griots ont chantonné l'amour depuis temps médiévaux. Une pompe à pépette pour qui sait l'exploiter, la journée la recette va plus que décupler. Décorant les vitrines de milliers de petits cœurs, c'est une journée divine pour beaucoup d'arnaqueurs. À l'instar de Noël ou de la fête des mères, l'occasion est trop belle de cramer la carte bancaire. Le bijoutier se frotte les mains, c'est formidable, juste devant sa porte, une queue interminable. Razzia a été faite sur les préservatifs. Elle, pour être parfaite, rendez-vous chez le couptif. Et le restaurateur n'est sûrement pas en reste, bien que ses clients aient peur d'additions indigestes. Comptant sur les machistes qu'envisagent que de niquer, c'est bien pour les fleuristes que ça va être le bouquet. Comédie bien huilée, ayant lieu chaque année, comme pour expier les conneries de l'an passé. Comme s'il suffisait de ce genre d'attention, le 14 février, pour prouver sa passion. Si le ciment du couple est le fric ou le cul, à quoi bon pour le coup jouer les gros faux culs? Je connus des demeurés qui, la veille du jour dit, quittèrent leur dulciné pour faire économie. Revenons au restaurant, une scène de choix, où tous les figurants sont vedettes à la fois. On les voit alignés, deux à deux, ridicules. Du prix de leur soirée, font déjà le calcul. Si la plupart d'entre eux sont en mode marital, d'autres viennent jouer le jeu de la parade nuptiale. Certains pourront séduire l'objet de leur désir par un verbe truculent, pimenté d'un accent. Ou dans un autre style, même en puant du bec, feront naître une idylle en parlant du Québec. La volubilité est utile pour plaire, mais de trop placoter peut être suicidaire. Il peut avoir 3 grammes et propos déplacés, faisant dire à la dame « Oh hé, on va se calmer !» Se priver de bagout, de jactance limitée, compenseront par le coup d'une bague ou d'un collier. Après un tel effet, je vous laisse deviner comment va se terminer pour eux deux la soirée. J'imagine bien ces mâles, tout fiers de leur travail, susurrant voix mielleuse « Chérie, alors heureuse !» Il n'y a pas qu'à Avoriaz ou toute autre station que ce soir va prendre place le planté de bâton. Alors je dis assez de toutes ces simagrées. Fuck la Saint-Valentin, préférant son lendemain. Je vais suivre la mode ayant un franc succès de fêter la Saint-Claude, celle des maîtres pipiers.